Eh bien, ça y est les amis, c'est Oxy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour tester un datapack créé par Command Geek où on va pouvoir tester une arme ultra cheatée. Vous allez voir ça dans un instant puisque ça va être... Bon, c'est une arme cheatée, hein, tu vas voir. En tout cas, avant que cette vidéo commence, je t'invite comme d'habitude à faire péter cette barre de like, à commenter et à partager la vidéo. Puis bien entendu, t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification, ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, mesdames et messieurs, bienvenue sur Minecraft. Oh là là, j'ai l'impression que ça faisait une éternité que j'avais pas tourné une vidéo. Mesdames et messieurs, regardez-moi cette arme incroyable. Ah bah non, j'ai pas... Mais j'ai pas d'arme. Bah oui, c'est normal, c'est parce que il va falloir que je la crafte. Bah oui, je suis complètement... Comment ça se fait que j'ai 7 niveaux, j'ai absolument pas joué. Ok, alors mesdames et messieurs, aujourd'hui je vous ai préparé tout un petit arsenal, hein. C'est-à-dire que là on a le craft de la fameuse arme qu'on va avoir, elle va servir à tout. Et puis bien sûr j'ai 2-3 petits trucs qu'on va utiliser parce que il va falloir qu'on pète la tête à quelques mobs. Alors bon, du coup je vais prendre tout, hein. Alors je le mets bien dans l'ordre du craft parce que sinon je m'en souviendrai pas et ça serait une catastrophe. Bon du coup mesdames et messieurs, on va pouvoir faire le craft. Ah là, j'ai trop hâte de tester cette arme, franchement je l'ai vu en vidéo tellement de fois. Ok. Oh yeah, mesdames et messieurs, la netherite est Epic Gamer Weapon 2.0, 34 d'attaque, 10 d'attaque speed, et regardez-moi ce... Oh non mais c'est n'importe quoi. Non mais n'importe quoi, la grandeur de cette arme, c'est abusé. Oh mais c'est gigantesque, non mais what the fuck. Si je la mets genre... Non mais regarde, dans ma barre, tu sais même pas c'est quel endroit qu'il faut que je le mette. Oh, c'est celle-là, c'est peut-être celle-là, non c'est elle au milieu. Mon dieu, c'est complètement what the fuck. Alors bon, bah du coup, on va la tester. Attention, on va faire clic droit. Ah ok, je peux charger. Génial! C'est phénoménal! Oh, mais ça met des toiles d'araignée! Ah, oh, c'est incroyable! C'est incroyable! Attends, il y avait un petit mouton là! Ah, oh, oula, attends, je peux faire un tir! Waouh! Ça creuse même sous l'eau! J'adore! Ah, j'adhère totalement au concept de cette. Attends, je vais faire juste un petit clic droit! Ok, même un petit clic droit, c'est toujours aussi violent, non? Parce que si je fais un clic droit chargé, on va comparer! Hein. Attention! Let's go! Ok, là j'ai fait un sacré trou, on va essayer un petit clic droit. C'est toujours pareil, c'est toujours la même puissance, pas besoin de se prendre la tête à vouloir charger ou pas le tir, tu n'es pas obligé. Cette grotte n'est vraiment pas assez grande. Allez, on va agrandir le tout. Waouh, trop stylé tout le sable qui est tombé. Ah ouais, attends, je veux faire tomber un max de sable. Ah mince, je crois que j'ai éclaté le sable, il n'est pas tombé. Bon, c'est pas grave. Alors bon, maintenant les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on teste cette arme sur des mobs. Hein, parce que maintenant, il nous faut un maximum de challenge. Et il faut qu'on voit concrètement ce que ça peut donner. Donc je vais spawner un maximum de husk, les gars. Une blinde. Je veux une blinde de husk. Je veux faire laguer mon PC tellement il y aura des husk. Les amis, avant que cette vidéo continue, je vous invite bien entendu à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. On se rapproche très vite du 1 million d'abonnés. Donc je compte sur vous pour vous abonner, tout simplement. Ok les gars, je crois qu'on a pas mal de husk là, ça devrait être ouais, ça devrait être intéressant, je pense. Donc je me mets en game mode survival, mais je vais prendre une petite armure quand même, hein, histoire de pas se sacrifier, hein, tout simplement. Voilà. Je vais prendre une petite armure, on est bien, armure en netherite, hein, histoire de bien profiter du truc. Et là, on a un maximum de husk. Ah, je peux tirer que en créative. Ok, et la sortie. Alors, wouhouhou, ça vole partout. Salut les husk. Ah bah c'était beaucoup trop facile à éliminer. Il en reste. Ah là aussi il en reste. Allez là. Oh c'est trop violent. C'est génial. Ok, alors dans ce cas les gars, je pense qu'il va falloir qu'on passe à un boss un petit peu plus puissant. C'est à dire qu'on va aller affronter notre cher ami le Wither, hein, parce que lui c'est un mob résistant et je pense peut-être qu'il pourrait faire des miracles et me résister, hein. Donc on va essayer ça tout de suite. Ok, le Wither, il est ready. Ok les gars, c'est parti. 3, 2, 1, ok. Là il est ready. Alors, mais je l'éclate, mais je vais t'éclater. Oh, c'était si violent. Ok, alors attends, on va en spawner un autre. Et cette fois on va faire un truc que j'ai pas encore testé. C'est taper tout simplement au corps à corps avec mon arme. C'est vrai que ça, on n'a pas encore testé. Spawn petit Wither. Vas-y, le combat nous attend. Ok, on va essayer. Ah, et violent quand même. Violent quand même comme arme. Pas mal. Et en 8 coups, peut-être 10, on a tué Wither.
Non mais c'est pas un truc de dingue ça? Alors les gars, j'avais envie d'aller rendre visite à mes villageois préférés, c'est-à-dire les piglins. Hein, d'ailleurs toi t'es trop stylé, je kiffe ta tenue mec. T'es incroyablement beau gosse. Regardez-moi ici, nous avons la magnifique forteresse piglin. Et il est temps qu'on les embête un petit peu. C'est résistant! C'est résistant! Mais oui! Mais bien sûr, les piglins! Alors, vous me tuez à chaque fois que j'essaye de faire des trucs sur Minecraft! Il est temps que je me venge! Les piglins de l'enfer, ça tombe bien, on est en enfer! Ah, ça fait du bien de ravager tout ce qu'a construit les piglins! Il était temps qu'on se venge, regardez, là. Oh, toi, là-bas. Oh, il y en a plein! Ah, mais vous mourrez tous, dis donc! Mais c'est trop dommage! Ah! Ah, ça fait du bien! Allez, encore un petit bout! Non, mais regardez ça, ça s'arrête jamais! Quand il y en a plus, il y en a encore! Salut, les piglins! Ouais, j'ai décidé de changer leur blaze un petit peu. Ah, oh, par contre, je crois que j'ai ravagé tout le Nether, en fait. Ah oui, excusez-moi. Bon, bah, tant qu'à faire, je vais le ravager un peu plus, alors! Ah, il y a un sacré trou, maintenant! Oh là là, mais on peut tellement tout creuser, mais cette arme, elle est phénoménale, hein. Franchement, elle est incroyable! Bon, eh bien, je crois que le Nether a été bien ravagé. Il est temps que je sorte et que j'aille embêter d'autres gens, hein, dans Minecraft, hein, parce qu'il y a plein de gens à troller. Alors, les amis, nous voilà dans une jungle de bambou. Et dans les jungles de bambou, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve nos amis, les pandas! Et il est temps, regardez, c'est le dernier panda sur la planète, dans sa petite forêt de bambou. Fais-nous un petit bruit mignon, panda. Non? Oh, voilà, un petit bruit mignon. Encore? Oh, le petit bruit mignon! Allez! Ça, c'est mignon! Eh ben voilà. Bon, bah, il n'y a plus de pandas sur... Bah, ça y est, c'est fini. Oh, bah, dis donc! Qu'est-ce que c'était... Triste! Les amis, j'ai fait une fausse manip sans faire exprès. J'espère que j'ai pas ruiné le portail de l'End, par exemple. Ok, les gars, on a beaucoup de chance. J'ai pas cassé le portail. C'est déjà une très très bonne nouvelle. Je vais pouvoir me passer en creative. Hop, on va casser ça et on va tout de suite. Eh punaise, là, il m'en aurait fallu des yeux. Il y en avait qu'un seul dans le portail. Ok. Ladies and gentlemen, j'espère que vous êtes prêts pour aller faire un petit saut dans l'End et rendre visite à notre poteau, l'Under Dragon. Ok, mesdames et messieurs, let's go. Alors déjà, ce que j'aimerais voir, premier test, est-ce que je peux casser l'obsidienne? Non! On peut pas casser l'obsidienne! C'est incroyable! C'est incroyable! Par contre, toi, je pense que je peux te casser en 10. Salut! Oh, ça fait mal! Oh, ça fait mal. Vas-y, soigne-toi, peut-être, hein. Ouais, soigne-toi. Tu vas en avoir besoin! Déjà! Non, il est encore vivant. Il est encore vivant. Il est où? Il est là-bas. Il se soigne. Il essaye de... Ah, théoriquement, il est mort! Meurs! Oh, il est bugué! Il est bugué. Je pense que c'est grâce à ça. Ah, pardon. Oh là là, je suis en train de ruiner l'End. Ah, voilà! C'est bon! Yes! C'était trop facile, Under Dragon! Oh là là, bah dis donc, je me demande s'il y a vraiment un boss qui pourrait nous résister, hein! Bah voilà, ça s'est fait, facile! Alors, par contre, ça... Y'a... Voilà, il n'y a plus d'œuf d'Under Dragon, il n'y aura pas de descendants! Je ne veux pas entendre parler de descendance, d'ailleurs! Je ne veux pas, non, c'est mort! Bon bah écoutez les amis, en tout cas on va s'arrêter ici pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Personnellement je me suis vraiment amusé sur ce datapack, si ça vous a plu bien n'hésitez pas comme d'habitude à faire péter cette barre de like, à commenter et à partager la vidéo et bien entendu vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Pensez bien sûr à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok et ma chaîne secondaire, tout s'affiche actuellement à l'écran et dans la description. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, sur ce, et bien allez, salut à tous, c'est Toxy, salut tout le monde.